Bonjour à tous. S'il y a un univers dans lequel il y a pléthore de super-vilains, c'est bien l'univers Marvel. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode sous haute tension, nous allons nous attarder sur un super-vilain issu de l'univers Marvel. Il est l'un des premiers antagonistes de Spider-Man, il s'agit d'Electro, et plus particulièrement de ses origines à l'écran, dans le très discuté The Amazing Spider-Man 2, puisque la transformation du personnage est étroitement liée à un animal assez incroyable, une véritable batterie biologique, capable de produire de l'électricité et utilisant cette capacité pour chasser, en paralysant ses proies à distance par le biais de puissants électrochocs. Mais faisons tout d'abord un tour d'horizon de la genèse du personnage d'Electro et ses diverses itérations. Créé par Stan Lee et Steve Ditko, et apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man numéro 9 en février 1964, Electro, alias Maxwell Dillon, possède un lourd passé. Battu par son père durant l'enfance et surprotégé par sa mère, l'homme développe un complexe d'infériorité. Un jour, alors qu'il travaille comme poseur de lignes électriques, Max Dillon s'occupe de résoudre une panne en haut d'un pylône. Un accident se produit et l'homme reçoit une énorme décharge. Et puisque nous sommes dans un comics, le choc électrique ne le tue pas, et lui donne plutôt des pouvoirs, lui permettant de produire et de maîtriser l'électricité. L'homme, devenu une véritable dynamo, décide d'utiliser ce don pour embrasser une carrière de criminel sous l'identité d'Electro. Electro, et son costume plutôt original, est un méchant secondaire de l'univers de Spider-Man. Mais il arrive quand même à mettre en difficulté le tisseur lors de leur première confrontation. Par la suite, Spider-Man s'oppose à lui à maintes reprises, trouvant le moyen de le combattre à l'aide de gants en caoutchouc servant d'isolant à l'électricité. Electro s'est retrouvé confronté à d'autres personnages de l'univers Marvel, comme Daredevil ou Captain America. Mais c'est en groupe qu'il s'en sort le mieux, puisque pour combattre Spider-Man, il rejoint notamment les Sinister Six du Dr. Octopus. Au fil de ses itérations et des décennies d'histoire de l'écurie Marvel, le personnage est différent, comme dans l'univers Ultimate où il obtient ses pouvoirs à l'aide de la bio-ingénierie, en étant plus froid et malsain, et arborant une apparence plus moderne. Il apparaît aussi dans des séries animées, jeux vidéo et bien sûr au cinéma. Electro apparaît pour la première fois à l'écran dans The Amazing Spider-Man 2 Le Destin d'un Héros, sorti en 2014, faisant suite au reboot de la franchise Spider-Man de Sony, réalisé par Mark Webb et avec Andrew Garfield dans le rôle du célèbre marinier. Le personnage d'Electro est campé par Jamie Foxx, et ses origines sont différentes, puisque sa transformation le fait rejoindre le club très fermé du Dr. Manhattan, Mr. Freeze ou encore le Blue Man Group. Blague à part, récemment, il est annoncé que Jamie Foxx devrait reprendre son rôle d'Electro, mais cette fois-ci au sein du MCU, laissant planer plusieurs théories autour d'un univers partagé. The Amazing Spider-Man 2, après une grosse campagne promotionnelle, a reçu des critiques très mitigées, difficile de passer après la trilogie de Sam Raimi. Mais qu'on apprécie le film ou non, il faut reconnaître qu'il possède quelques qualités. Alors oui, certains personnages sont caricaturaux, il y a certaines faiblesses au niveau de l'écriture, quelques longueurs et des effets numériques peut-être un peu trop abondants. Mais nous avons droit à un prémisse à la potentielle apparition des Sinister Six à l'écran, une montée en tension tout le long du film sans mauvais jeu de mots, une alchimie parfois touchante entre Peter Parker et Gwen Stacy, quelques plans intéressants et mention spéciale à la bande-son de Hans Zimmer, assez sympathique. Bref, tout cela reste subjectif, mais les critiques entourant les deux opus de ce reboot restent assez mitigées. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le Electro du second film. Max Dillon est électricien chez Oscorp. Introverti et moqué par ses collègues, il développe tout d'abord une obsession pour Spider-Man lorsque ce dernier lui sauve la vie. Plus tard, alors qu'il répare une installation électrique, l'homme s'électrocute puis chute dans un bassin d'expérimentation contenant des anguilles électriques. Celles-ci semblent être génétiquement modifiées, mais ce sont ces créatures qui, dans cette version cinématographique, donnent des pouvoirs à Max Dillon qui devient alors Electro. Le choix de moderniser les origines du personnage ainsi que son costume est très intéressant, puisque cela fait intervenir des animaux fascinants qui existent dans notre réalité. Il s'agit donc des anguilles électriques. Bien qu'il en existe plusieurs espèces, pour les besoins de la vidéo, nous allons nous intéresser à la plus connue et représentative d'entre elles, Electrophorus electricus. Si dans le film ces poissons sont génétiquement modifiés et évoluent en laboratoire, dans la réalité, il s'agit d'un poisson d'eau douce, vivant en Amérique du Sud, dans les bassins de l'Amazone, dans des eaux tant claires que boueuses, et pouvant atteindre la taille respectable de 2,50 m et peser jusqu'à 20 kg. Carnivore, elle peut se nourrir d'invertébrés, de poissons ou d'amphibiens, voire même de petits mammifères. Elle ne possède pas de prédateurs naturels connus, excepté Maïté, bien évidemment. Viens là, ma buse, viens là, ma biche, viens là. Là, c'est rien. Ça y est. Hop. Bon, techniquement, ce ne sont pas des anguilles à proprement dit. En fait, Electrophorus electricus ne fait pas partie du même ordre, celui des anguilliformes, comme les anguilles justement, ou les murènes.
mais fait partie de l'ordre des gymnotiformes, aux côtés des poissons-couteaux d'Amérique et autres poissons d'eau douce possédant des organes pouvant produire des champs électriques. Car notre chère anguille électrique n'est pas le seul poisson à en être capable. On a d'ailleurs cru pendant longtemps qu'elle était la seule représentante du genre Electrophorus, mais deux autres espèces viennent la rejoindre selon une étude publiée en 2019. Près de 250 espèces de poissons électriques qui peuplent les eaux d'Amérique du Sud sont capables de produire de l'électricité, et utilisent cette capacité pour se diriger et communiquer dans les eaux sombres et boueuses, tel un radar, un peu comme Daredevil. Mais les anguilles électriques s'en servent aussi pour chasser et se défendre. Comment ça marche tout ça? Il faut savoir que les capacités et l'anatomie des anguilles électriques ont inspiré des physiciens et des chimistes comme Michael Faraday et ses travaux sur la nature de l'électricité, ou encore Alessandro Volta pour l'invention de la première pile électrique, la pile voltaïque, en 1799. Car nos chers électrophorus envoient des décharges allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de volts, et possèdent les propriétés d'un dipôle. Un champ électrique émane de leur corps, et les lignes le composant partent de leur tête en étant chargées positivement, pour terminer sur la partie postérieure de l'animal, sa queue, chargée négativement. En bref, la tête représente le pôle positif et la queue le pôle négatif. Et ça, l'animal l'a très bien compris. Car pour neutraliser une proie récalcitrante, l'anguille électrique peut doser ses décharges, en rapprochant sa tête de sa queue, puisque si on rapproche les charges d'un dipôle, l'intensité du champ électrique va augmenter. Electrophorus electricus est d'ailleurs capable de générer une tension électrique allant jusqu'à 650 volts. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces animaux pour qu'ils puissent produire de l'électricité? Tous les organes vitaux d'une anguille électrique sont compressés et occupent 20% de son corps, à l'avant. Les 80% restants contiennent 3 organes électriques, l'organe principal et l'organe de Hunter, émettant de fortes impulsions électriques, servant à se défendre et à terrasser des proies, et pour finir, sur la partie postérieure du poisson, on retrouve l'organe de Satch, émettant des impulsions à basse tension et permettant de sonder son environnement, communiquer et identifier des proies. Ces organes sont composés de milliers d'électrocytes et agissent comme une plaque électrique. Ces électrocytes sont des cellules musculaires spécialisées en forme de disque. Elles sont capables de générer un courant électrique en déplaçant des ions au travers de leur membrane, en laissant entrer des ions sodium d'un côté, pendant que des ions potassium sont relâchés de l'autre côté dans le milieu extracellulaire. Ce déplacement génère alors une tension électrique de 0,15 volts, ce qui est plutôt faible, mais comme des milliers d'électrocytes sont imbriqués et connectés entre eux en série, les tensions électriques s'ajoutent et peuvent générer de fortes décharges électriques. De ce fait, plus une anguille électrique sera grande, mieux c'est. Et pour contrôler tout ça très rapidement, l'animal possède un système nerveux ultra performant. De plus, sa peau est très épaisse et isolante. La nature de l'eau est aussi un élément important, puisque dans une étude publiée en 2019, des chercheurs du Smithsonian révèlent l'existence de deux autres anguilles électriques, venant rejoindre notre Electrophorus electricus. Il s'agit d'Electrophorus vari et Electrophorus voltai. Et cette dernière peut décharger jusqu'à 860 volts et 2 ampères, bien plus que les 650 volts de notre cher Electrophorus electricus. Cette capacité serait due à la faible conductivité de l'eau des hauts plateaux de son milieu de vie, un véritable record dans le monde du vivant. Bien que d'un naturel peu agressif, les anguilles électriques peuvent néanmoins utiliser leur capacité pour se défendre, et être dangereuses pour de gros animaux, dont l'homme évidemment. Dans une étude publiée en 2016, le biologiste Kenneth Catania décrit des anguilles électriques pouvant sauter hors de l'eau afin de se défendre. Cette action aurait pour effet d'augmenter la violence et l'efficacité de sa décharge. Ce comportement sophistiqué est une adaptation défensive qui n'est pas anodine, puisqu'elle permet aux poissons de se défendre efficacement grâce à la physique lors de la saison sèche amazonienne, lorsqu'ils se retrouvent piégés dans des eaux très peu profondes. Les anguilles électriques, des poissons fascinants aux aptitudes extraordinaires. Elles ont fasciné les chercheurs à travers les âges et, comme souvent, ont inspiré la culture populaire. Leur apparition au cinéma en 2014, en les liant aux origines d'un méchant populaire de l'univers de Spider-Man, a permis de mettre en avant ces animaux. Le génome d'Electrophorus electricus a d'ailleurs terminé d'être séquencé intégralement la même année, en 2014. Car pour comprendre ces fascinants poissons et leurs incroyables capacités, les scientifiques redoublent d'efforts pour les étudier dans le détail. Des chercheurs américains ont d'ailleurs mis au point un assemblage complexe d'hydrogels, des cellules artificielles imitant la structure et le fonctionnement des électrocytes et des anguilles électriques. Le but est d'alimenter des dispositifs médicaux comme les pacemakers, un bon exemple de technologie bio-inspirée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la commenter, ainsi que de laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne en activant bien la cloche si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis, portez-vous bien, et à la prochaine.